Bonjour tout le monde, et bien donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, alors sur Amour Secret, comme tous les mercredis. Alors on se retrouve avec 690 PA et 330 dollars, donc voilà, pour petite interruption. Alors je me souviens plus trop de d'épisodes, alors attendez, mes épisodes. Alors, on va se remettre un petit peu tout ça en tête. C'est la fin des vacances et tout le monde au lycée semble en ébullition entre les résultats des examens à récupérer et préparer les cours d'orientation. Tout le monde est bien occupé et il y a aussi un nouvel élève à rencontrer. Alors, c'était pas un nouvel élève, il y en avait deux. Il me semble que c'était des jumeaux, eux deux. Donc, ouais, voilà. Oh la vache! Attendez, excusez-moi. J'ai le son, mais... Voilà, on va baisser. Voilà, j'essaye de le mettre un tout petit peu et pas trop non plus parce que moi, ça me gueule dans les oreilles. Excuse-moi. Ah, et excusez-moi si vous voyez, je sais pas, des gouttes sur mon visage de temps en temps, c'est que je sue, quoi. Voilà, je suis en sueur. Alors, voilà, donc du coup, on devait se présenter à eux. Enfin, ouh la vache, il y a eu un bug. Ça a rien fait sur ma vidéo. C'est bon. Toi, tu pars. Voilà. Alors ensuite, donc, on devait... Attendez, je crois plutôt que je vais... Voilà, je vais baisser le son, parce que... Et où ils m'ont... Dans les effets... Ouais, on peut laisser un petit peu. Et re-augmenter le son. Voilà. Que des fois, j'ai des problèmes de son, si vous voyez. Alors, enchanté. On a deux nouveaux élèves en fin de compte. En fin de compte. Ok. En fin de compte. Ça va être marrant. En plus, ils sont jumeaux. Par contre, les gars dans la salle des délégués m'a dit. Par contre, le gars dans la salle des délégués m'a dit qu'il fallait que je passe une photo. Que je fasse une photo d'identité pour le mettre dans mon dossier. C'est l'obligatoire. Alors, moi, ce que je teste dans les. Quand. Excusez-moi, j'ai un truc. Pour les photos d'identité, très très souvent, on a, enfin, tout le temps, on n'a pas le droit de rire. Et des fois, on n'a pas le droit aux bijoux ou ainsi de suite. C'est vraiment très très bizarre. Du coup, t'as l'impression d'être en taule, t'as l'impression d'être décédé, quoi. C'est pas possible. Oui, moi aussi, je suis passée par là. Il y a longtemps. T'es arrivée il y a pas longtemps? Oui, je me rappelle, il fallait que je trouve. Un trombone. Une trombone, j'allais dire. Excusez-moi. Ah ouais, faut qu'on en trouve. Faut qu'on en trouve un, nous aussi. Tout le monde y passe à ce que je vois. Je peux aller en chercher un si vous voulez. C'est sympa. On va faire les photos. On va faire les photos, nous alors. Ok. Je me demande s'il y a encore un trombone à la même place. Bon, on ira voir. On va voir tout de suite même. Je reste sur ma proposition, sur ma position. Le nouvel élève n'est pas habillé de manière étrange. Oh, chacun son style, hein, on se calme. Il y en a deux, en fait, Lisandre. Tu as dû voir Armin et Castiel avait... Ah, t'as dû voir Armin et Castiel avaient vu... Alexis. Oh, je vois. Donc, nous avons deux élèves en plus. Oui, c'est des jumeaux. Il s'est cassé, quoi. Alors, il était là, si je me rappelle bien. Et tout, 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 voilà, on ne sait jamais s'il y en a un par terre, sur les chaises, sur les murs même, accrochés, on ne sait jamais, ils l'ont planqué. Alors, non, il n'y est pas. Aide à valider leur inscription. Est-ce que ici, il y en a un? On va refaire la même chose. Rayonnage. Rayonnage de souris. Il n'y en a pas. Tu n'aurais pas un trombone. C'est une blague. Non, j'en cherche vraiment un. Je vais te dire la même chose que lorsque tu arrives alors. Hop là. Demande à quelqu'un d'autre. Ok. Alors oui, ici aussi, là, je sais pas. Là, sur les casiers, au fond. Non! Alors, ici. Non, il n'y a rien, là. Dans la salle.
Ah, en voilà un. J'en ai un. Il faut que je le donne à Armin et Alexis maintenant. Mais ça m'étonnerait que leurs dossiers soient ensemble. Même s'ils sont frères jumeaux, moi, mon dossier n'est pas avec mon frère, quoi. Ah, excusez-moi si vous entendez des bruits aussi. Comme d'habitude, c'est mon frère. Voilà. Alors, salut, Joradit. Oh, salut, Rosalia. Tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît? Je dois vite rejoindre Leg à son magasin. Il a prévu une soirée en amoureux. Rien que pour nous. Rien que pour moi. Mais il me reste quelque chose à donner à la directrice. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Ma dispense pour la course d'orientation. Je dois la lui donner pour qu'elle retire mon nom de la liste des participants. Tu ne seras pas de la partie alors. Non, je déteste. Je déteste ça. Je préfère passer du temps avec Leg. Ok. Comme tu veux, je la lui donnerai. Merci. Elle est partie en courant vers la sortie. Elle est pressée, hein? Oui, donc du coup, madame la directrice. Alors, j'ai pas accès à son bureau, je sais pas où il est, donc du coup, voilà. Mais pourquoi est-ce que je refais le rayonnage, quoi? On s'en fiche maintenant. Alors, dans la cour, peut-être. Au fait, tu as vu? On a de nouveaux élèves. Ouais, j'ai vu. Alexis est venu me parler tout à l'heure. Comme quoi, il pigeait. Pas pourquoi. On doit faire une photo d'identité pour le dossier. Alexis, c'est lequel? C'est celui en toutes les couleurs, quoi. Celui avec les cheveux bleus, voilà. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Ok. Bon, Alexis ou Armin, là. Venez, j'ai votre trombone. Tu fais quoi? Je cherche la directrice. Ah oui, c'est vrai, directrice. Pour lui remettre une dispense. Tu ne veux pas participer à la course finalement? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Rosalia. Elle a dû partir pour voir son petit ami. Alors je lui rends service. Si tu te faisais payer à chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu serais riche alors qu'il est. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on n'a presque pas eu de cours, quoi. On a eu un ou deux. Je sais même pas si on en a eu. Je crois, mais si on en a eu, on n'en a eu pas beaucoup. Et en plus, je rends des services à tout le monde. Alors c'est sûr que je deviendrai riche ou un millionnaire. 5 euros par personne. Haha, c'est pas faux. Voilà. Alors maintenant la directrice. Au fait, tu es prêt pour la course d'orientation maintenant? Oui, elle débutera demain. Il y aura des prix à gagner et des élèves. Et des élèves d'autres écoles vont participer. Super, j'ai hâte d'y être. Ok, mais t'aurais dû lui demander. Ah voilà, la directrice. Bonjour, Rosalia m'a demandé de vous remettre ceci. Je lui ai donné sa dispense. Ok. Oh, merci. Tout semble en règle pour elle alors. Je lui fais une voix affreusement moche. Excuse-moi, j'ai. Ah bah voilà, enfin. Enfin, te voilà, enfin. Excusez-moi, j'ai les photos que vous nous aviez demandées. C'est pas plutôt à monsieur, on va dire, monsieur Nathaniel. Je ne sais pas son nom de famille, donc du coup, on va dire monsieur Nathaniel. Tu tombes bien, Armin, j'ai le trombone. Tu tombes bien, avec. Ah, ils sont là? Ils sont tous les deux? Ok, excusez-moi, j'ai mal. Je suis en train de me mordre en plus. Alors, tiens, voilà. Tu gères, merci beaucoup. Pas de quoi. Il a donné deux dossiers à la directrice. Je te dis à plus tard. Tout le monde est rentré. Je n'ai croisé personne en cherchant la directrice. Je vais faire de même. D'accord, à demain, Armin. Bon, eh bien, je peux rentrer aussi maintenant. Tout le monde est vraiment parti. Dommage. Hey, Juradit, tu aurais pas vu mon frère? Il s'est barré quoi? Il s'est taillé sans toi? Si, il vient tout juste de partir. Oh non! Il avait dit qu'il viendrait en ville avec moi. On devait faire les boutiques. Je veux trop de nouvelles fringues. Ah, je crois qu'en fait, t'as fui. Il voulait pas venir avec toi.
Il a peut-être oublié, c'est tout. À mon avis, il n'en avait pas du tout envie, lui. Tu aimes faire les boutiques? C'est rare pour un garçon. Non, on va faire ça. Ah ouais, carrément. Bon, j'aime pas trop la tenue, mais si on est obligé, validé. Ouais, il aime pas ça. J'ai pas trop compris pourquoi si on devait s'habiller comme ça. Mais bon, en plus, on n'a même pas de chaussures, quoi. Ouais, il aime pas ça du tout, même. En fait, il s'en balance des fringues. Un truc de malade. Il n'a aucun goût pour s'habiller. C'est moi qui lui trouve des fringues. T'imagines? J'imagine assez facilement, oui. Ça te dit de venir avec moi? Toi? Tu vas voir, ça va être sympa. Il y a une boutique en ville qui vend des trucs extra. Ah oui, pourquoi pas? Nous avons été dans la boutique en question et Alexis a commencé à prendre tout ce qui lui tombait sous la main pour l'essayer. Il m'a donné son casque, il a un casque, et sa veste pour pouvoir refaire ses essayages. Voir l'illustration. Yeah! C'est pire qu'une fille, là! Même ma petite juradite est choquée. Mais j'adore les reflets qui font sur les images, sur les illustrations. J'adore trop. Retour de vacances, mouvementé. Tout, tout, tout. Épisode 10, j'adore trop l'image. Mais franchement, j'aime pas trop, on dirait un... Vous savez, les présentateurs de cirque, cette veste, ça fait penser à ça. Par contre, je vois pas du tout comment est-ce qu'il a... peut oublier qu'une synthèse, une ceinture, ça se mettait autour de la taille. Voilà, mais bon. Il a fini par tout remettre en rayon parce que finalement, ça ne lui plaisait pas. Mais il est pire qu'une meuf, lui, hein. Eh, regarde, elles sont mignonnes, ces robes. Elles tiraient comme un gant, j'en suis sûre. Tu trouves? Allez, je t'en offre une. Tu as été super sympa. Alors que je débarque tout juste, choisis celle que tu veux, c'est cadeau. C'est vrai? Merci. Tu préfères lesquelles? Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas les illustrations. Les robes avec des poches, robes un peu déchirées, robes à volant. C'est quoi robe à volant? Alors attendez, je vais regarder un peu tout à quoi ça ressemble, et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors, nous, voilà. Alors, je préfère... Les robes à poche, elles étaient sympas. J'aimais pas trop les robes déchirées. J'ai adoré les robes volants. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà. Bon, ça, c'est pas trop mon style. Il y a ça, voilà, vous voyez, le volant en haut, ça. Je trouve ça, mais trop, trop beau. Donc, du coup, je vais choisir la robe à volant. Donc voilà, et on va voir ce que ça va donner sur ma petite juradite. Voilà, en échange de ça. À volant. Ah ouais, mais c'était pas du tout ce que je pensais, quoi. Ah ouais, c'est pas la classe, le tip-top. Bon, par contre, franchement, là, si on met vêtements sur vêtements, là, ça va plus aller, quoi. On va finir par... tu vas finir par être morte, étouffée, quoi. Alors, maillot de bain, on enlève. Stop. Et tu peux pas l'enlever? Mettre un soutien-gorge plutôt? Je sais pas, moi. On enlève ça parce que ça va pas du tout. Voilà, bon, attendez, on va lui mettre des chaussures quand même. Si on lui met pas de chaussures, elle est morte. Alors, on se remballe pas pieds nus non plus avec des... Eh, ça irait super bien avec sa robe. J'ai l'impression que sa jupe, elle a pas voulu s'enlever, là. Allez, enlève-toi. Si? Bah si, bon bah... Ok, alors on retourne au lycée. T'es Mimi tout plein avec ça. Ah oui, mais j'ai pas validé, attendez. Juste un... Ah, non. Ça va pas prendre énormément de temps. Hop là, alors il y a le bas... On lui mettait des chaussures. Parce
qu'on lui mettrait pas un petit collier ou quelque chose? Ouais, bon, c'est pas grave. Hop là, non, on n'est pas... pas un poil près. Alors, tu es mini tout plein avec ça. Ça te va comme un gant. Merci. Nous sommes restés encore un peu tous les deux avant de quitter définitivement les magasins et rentrer chez nous. La course d'orientation arrive à grands pas. Je me demande où elle aura lieu. J'espère que je passerai un bon moment avec mon coéquipier. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Moi, j'aime pas trop les courses d'orientation. C'est pas trop mon truc. On se ressemble pas tellement, hein. Bravo, tu as terminé l'épisode 10. Rendez-vous au prochain épisode. Ah bah si, finalement, en fait, c'est parce que j'avais pas validé, donc du coup, on voyait pas ici, c'est sûr. Terminé l'épisode, on est à combien? 2000. Ah bah non, attendez, je regarde juste un truc. Parce que je me disais 2 minutes, mais... Yeah, ça va pas vraiment aller, là. Attendez, c'est dans musique. Ne voyez pas tous mes documents. Alors, attendez. Ouais, j'ai fait énormément de vidéos. Alors, on est le 12, donc c'est ça. 9-12. Pourquoi j'ai ça? Ah, c'est peut-être celui que je suis en train d'enregistrer. Attendez. Hop là. 13 minutes, plus 2, ça va. Bon, ça va, c'est pas énorme. Donc du coup, on va refaire. On va continuer un petit peu la course d'orientation. Épisode 11, la course d'orientation. Duo de choc. Le jour de la course d'orientation est enfin arrivé. Réussiras-tu les différentes épreuves avec ton coéquipier? Et surtout, arriverez-vous premier? Commencez. Salut. À l'épisode précédent, tu as choisi ton coéquipier. Tu t'en rappelles? Oui, c'est Nathaniel. Oui, je participe à la course d'orientation avec Nathaniel. C'est exact. Du coup, tu peux modifier ton apparence. Maintenant, si tu as envie de faire l'épisode avec quelqu'un d'autre, mais ce changement te coûtera 100 points d'action. Non, garder le coéquipier, déjà, j'ai pas envie de prendre 100 points d'action. Et en plus, je veux qu'on se rapproche, Nathaniel et moi. Enfin, plutôt ma petite Sloïm. Comme tu veux. C'est ton histoire, après tout. Bon jeu. Commencez l'épisode 11. C'est aujourd'hui que commence la course d'orientation. Hey, salut, Joradit. T'es retournée faire les magasins depuis la dernière fois? Non, pas depuis. J'ai peur de ne pas autant m'amuser avec toi. Non, pas depuis. Et toi? Tu as dévalisé une autre boutique? Je dévalise pas. J'essaye. J'ai pas assez d'argent pour acheter tout ce que je voudrais. Haha. Ah oui. Je te remercie encore plus pour la robe. Alors, pas de quoi. Ça me rassure de voir que tu la portes aujourd'hui. J'avais peur que finalement, elle ne te plaise pas. Si, au contraire, elle est superbe. Sinon, je ne l'aurais pas choisie. Bon, c'est vrai qu'elle est moins attendue que ce que j'imaginais, mais ça va. Excusez-moi. Bon, je te laisse. Il y a une course d'orientation où je sais pas quoi qui se prépare et je veux pas y participer. Faut que je me tire en vitesse. Ah oui, tu ne participes pas? Non, trop pas envie. Je viens juste d'arriver et je connais personne à part la fille aux cheveux violets et toi. Alors, la fille aux cheveux violets, qui ça peut bien être? Je vois pas.
Et à moins qu'il parlait directement à moi. Non, c'est que la fille aux cheveux violets et toi. Bon, bah, je sais pas. Et je suis un vrai boulet pour ce genre de truc. Je me perdrais, c'est sûr. Dommage. J'aurais bien voulu la faire avec toi. Non. Dommage. Ça aurait été peu. Ça aurait pu être sympa. J'arrive plus à lire, j'arrive plus à parler, ça m'énerve. Je pense pas. Mais c'est cool si toi tu penses t'amuser. Oui, j'ai hâte de voir en quoi ça consiste. Rentre bien. Ouais. Par contre, si tu vois Armin, tu pourrais lui dire de vite rentrer. Ça me gratte le nez. J'aime pas être tout seul à la maison. Oui, si tu veux. Moi, j'adore quand mes parents ils sont pas là, quand mon frère est pas là. Mais là, c'est la fête. Je fais plein de vidéos, mais le problème, c'est qu'ils sont tout le temps là. Mon père est en arrêt maladie. Donc, du coup, il est tout le temps là. Et mon frère aussi. Maintenant, il est au collège. Merci. À plus tard, petite juradite. Oh, je suis pas petite, hein. Peut-être un petit peu plus petite que toi, mais je suis pas petite. À plus tard, Alexis. Alors, va voir Armin pour lui demander de rentrer, quoi. Il pouvait pas le faire tout seul. Coucou, Géraldine. Alors, tu es bientôt prête pour la course? Eh bien, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et où aller. Alors non. Ah oui, je pense qu'ils vont faire une annonce pour dire où tout le monde doit se rejoindre, ne t'inquiète pas. Oui, sûrement. Je pense que ça sera dans la cour. Bon, c'est pas. Au fait, tu n'aurais pas vu Armin? Oui, il vient de partir. Ah, tu lui as pas demandé où tu étais? Mince, tu es sûre que c'était lui? Oui, certain. Certaine, on le repère de loin. Alors, tu as pas confondu avec Alexis, de loin. Iris, tu ne confondrais pas Armin et Alexis? Oh, Armin, ce n'est pas lui, aux cheveux bleus? Non, non, pas du tout. Non, c'est pas Alexis. Non, c'est Alexis, lui. Ok, j'ai pas vu Armin alors. C'est pas grave. Pas là. Armin et Alexis, Alexis et Armin. Ok, t'es parano, toi. T'es parano. C'est de leur faute aussi. Pourquoi ils ont des noms qui se ressemblent? C'est leurs parents, excuse-moi, hein, mais moi, c'est mes parents qui ont choisi Sarah, c'est mes parents qui ont choisi le nom de mon frère. C'est pas moi. Enfin, c'est pas eux. Je les défends. Faudrait poser la question à leurs parents. Voilà. On est du même monde, tu as dit. Oh là là, mi, où est-ce qu'il est? Salut, t'aurais pas vu Violette? Je la cherche comme on fait équipe, n'importe quoi. Équipe pour la course. Non, je ne l'ai pas vue, désolée. J'espère qu'elle ne s'est pas défilée avant. Je te jure que ça va barder. Sinon, je te jure que ça va barder. Et ouais, faut pas rigoler avec ça. Ne t'inquiète pas, elle ne doit pas être très loin. Ah non, par contre, je ne les cherche pas. Hein. Je cherche déjà Armin. C'est déjà extrêmement compliqué comme ça. Excusez-moi. Je fais la fofolle. Salut Mélodie. Tu n'aurais pas vu Armin? Je le cherche. Armin, le nouvel élève. Ben oui. J'ai pas connu d'Armin dans votre lycée auparavant. Si, je l'ai vu. Il se dirigeait vers le club de jardinage. Quoi? Mais tout à l'heure, je suis passée, je ne l'ai pas vu dans la cour repartir. Oh là là, c'est pas possible. Ok, le club de jardinage. Merci, Mélodie. Il n'y a pas de souci. Si je sème des pinceaux ou des trucs de ce genre, tu crois que ça va l'attirer? Peut-être pas. Voilà. Armin, Armin, Armin. Voilà, c'est pas trop tôt.
C'est quoi cet endroit? Sérieux? Il y a pas d'autre, il y a pas trop de lumière. Excuse-moi, mais on est en dehors là, on est pas à l'intérieur d'un truc, donc ils peuvent pas mettre trop de lumière si c'est pas le soir, tu vois. Salut Armin, ça va? Oh salut Juradit, c'est ça? Oui, tous. Toi, ça ne va pas vraiment, ça n'a pas vraiment l'air de. Ah ben... On reprend. Oui, toi, ça n'a pas vraiment l'air. Par contre, oui, je visite un peu le lycée et je tombe sur ça. C'est quoi ce jardin? C'est un jardin comme tous les autres. Je parle zenement. C'est ici qu'on s'occupe du club de jardinage. Oula! Il y a des gens qui passent leur vie ici. C'est des grands malades. T'es 100 fois mieux chez toi. Tu penses, pourtant moi j'aime bien, je préfère rester chez moi. Ça fait du bien un peu d'air parfois. Je trouve pas. Enfin, chacun ses goûts. Oh, Juradit. Armin, vous êtes là? Salut, Violette. Armin, ton frère te cherche. Il voulait que tu rentres à la maison. Comme vous ne participez pas à la course. Ah oui, il me demandait de t'en parler aussi. Tu ne fais pas la course d'orientation avec nous alors, Armin? Armin. Excusez-moi, mais ça me colle dans les oreilles. Voilà, je préfère mieux faire comme ça. Bonne voilà, nous. Ah, c'est vrai? On nous a proposé d'y participer, mais comme on a débarqué tout juste, on a préféré dire non. Et puis, rester trop longtemps dehors, moi, ça m'irait pas. Dommage. Bon, ben, je rentre alors. À plus les filles. À plus tard. Il a l'air vraiment gentil. Tu ne trouves pas? Oui, Alexis et lui sont vraiment sympas. Excusez-moi, c'est mon frère. Et en plus, il a pas fermé la fenêtre et puis ainsi de suite. Bon, c'est pas grave. Et puis, Alexis est vraiment... Enfin, je... Tu n'es pas amoureuse? T'es amoureuse! Mais ça, pas grave, tu peux le dire, hein. Alors, enfin, je veux dire, il y a quelque chose en plus. Tu ne crois pas? Tu peux totalement fermer la porte, s'il te plaît, James? Ok. Excusez-moi, est-ce que vous avez tous vos écouteurs? Pardon. Oui, il déborde d'énergie, c'est sûr. Il faut vite que j'aille chercher mes affaires de sport, sinon Kim ne va pas être contente. J'ai passé du temps à chercher Armin et pour Alexis. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Tes affaires de sport? Mince, je n'ai pas acheté de tenue. T'en as pas chez toi? Mais franchement, qui n'a pas au moins une tenue de sport chez soi, quoi? Franchement, c'est abusé. C'est le nouveau professeur qui en distribue pour qu'on ait tous les mêmes. Ah bah c'est bon, je vais pas les acheter, j'économise 264 simflous, enfin dollars, voilà. Bon, c'est pas 264, mais au moins 50, quoi. Parce que si tu dois acheter les baskets, plus la tenue, tout quoi, c'est pas pratique. Ah par contre, j'espère qu'il a toutes tes tailles, hein, parce que si moi ça rentre pas, si c'est trop grand, trop petit, ça va pas aller. Ah très bien. Je vais aller le voir. C'est qui le... Ah oui, le nouveau, ça doit être celui qui fait les inscriptions. Ah non, c'est Monsieur Farès. Non? Mais non, c'est le prof de sport qui... Bon, c'est pas... Tenez-vous prête, mademoiselle. C'est bientôt l'heure. Oui, je ne... Ne vous inquiétez pas. Oh la vache, c'est bon, on se calme, hein. Mais non, je cherche le prof de sport, il doit être là. Purée. Je suis nulle en maths. Mais
J'ai un sens de l'orientation hors pair. Je suis sûre que je vais gagner la course. Quelle modestie! Impossible, je participe aussi, je gagnerai. Non, on va dire ça. Je ne suis pas douée pour grand-chose, alors j'en suis fière. T'en es fière d'être pas douée à grand-chose? Moi, j'en suis pas fière hein, si je suis pas douée à grand-chose. Bon, maintenant, je peux tomber sur le prof de maths, là. Prof de... Oh là là, elle m'a rentré le mot mathématique dans le crâne. Prof de sport! Je fais équipe avec Iris pour la course d'orientation. Oui, bon, j'ai rajouté orientation, c'est pas grave. Elle a vraiment l'air motivée. Tant mieux. Vous allez former une équipe d'enfer. Ouais. Oui, je suis contente d'être avec elle. Okidoki. Ah, il est là. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous venez pour votre tenue? Bah oui, je viens pas pour vous faire la bise, quoi. Oui, s'il vous plaît. C'est une tenue de sport optimale. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je sais à peu près hein, globalement le mot, mais je sais pas trop ce que ça veut dire une tenue de sport optimale. Elle est confortable, légère et affine la silhouette. Ah, bah maintenant on a la définition. Vous allez voir la tenue. Ok. C'est une tenue complètement... Et en plus, on doit la payer 176! 176! Excusez-moi, mais c'est énorme! Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. Et en plus, 13 plus 16, par exemple, voilà, plus 18 plutôt. Ouais, je sais pas compter. 13 plus 18, donc ça va faire à peu près 30 minutes, 31, quelque chose comme ça. Donc du coup, bah, je vous dis bye bye. Gros gros bisous, à une prochaine vidéo. Je pense faire une vidéo sur Roblox. Voilà. Donc, sinon, à une prochaine vidéo. Passez un excellent après-midi et n'oubliez pas d'avoir de bonnes notes en cours pour ceux qui ont des sont encore au collège, lycée, voilà, et ensuite comme moi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça montre que ça vous plaît vraiment et que je peux vraiment en faire très très souvent. Ou, voilà, des fois j'essaierai de le faire un mardi quand ce sera des jours fériés, quoi. Ou quand vraiment j'aurai pas cours. Ce sera bien. Donc du coup, laissez un petit pouce bleu. J'essaierai d'en faire plus si ça vous plaît vraiment. Si je vois ça vous plaît vraiment. C'est comme pour toutes les autres vidéos. Je fais des vidéos sur ça parce que j'essaye quand même de faire des vidéos. Si ma chaîne elle reste toute nue comme ça sans rien faire, ça sert à strictement à rien. Donc du coup, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me rend très très fière, j'ai déjà le sourire parce que je suis déjà à 52 abonnés. Bon, je le répète à chaque vidéo. Voilà. Bon, je reste à 52 abonnés, mais c'est pas. Je sais que pour vous, peut-être c'est pas énorme, mais pour moi, c'est déjà un bon début, énorme. Voilà, je fais ma chaîne depuis quelques mois, j'ai déjà 52 abonnés, donc c'est déjà énorme, énorme. Donc voilà. Donc sinon, je vous fais un gros gros bisou. À une prochaine vidéo et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et bye bye. Ciao ciao.